Hello, hello, hello mes sweeties. Comme promis sur Instagram, voici la fameuse recette du henné gloss. Et oui, un soin fortifiant, réparateur, adoucissant, stimulant, tout ce qu'on veut. Et un soin rapide à faire avec simplement 2 à 3 ingrédients. Vous aurez besoin d'un après-shampoing ou d'un masque de préférence. Moi, j'ai pris celui de Calicos Bio qui est un masque reconstructeur, et réparateur, surtout pour les cheveux en transition, et ainsi que du henné neutre que j'ai acheté chez mon indien. Mais il y a différentes marques de henné neutre. Surtout ne pas confondre entre le henné neutre et le henné colorant. Et en dernier, mais ce n'est pas obligé, une huile végétale. Moi, j'ai pris le coco parce que c'est celui qui pénètre le mieux dans la fibre capillaire. Mais vous pouvez prendre une autre huile. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire, l'huile. Donc là, nous allons d'abord très simplement prendre notre masque. Oui, j'ai un petit cheveu. Nous allons d'abord prendre notre masque. Donc moi, vous savez que j'ai un cheveu épais et que j'ai une bonne quantité de touffe. Donc je mets quand même une bonne quantité de masque dans ma tête parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous faites un soin profond, ne lésinez pas sur la quantité. Vous devez vraiment imbiber votre cheveu dans le soin profond. C'est un soin profond. Donc qui dit profond, il faut imbiber le cheveu. Et là, je vais prendre environ une cuillère à soupe bombée de henné. C'est-à-dire que j'ai pris une cuillère de dosage de mon shaker, mais ça représente environ une cuillère à soupe bombée. Et là, je verse petit à petit. Pourquoi je ne verse pas tout? Parce qu'il faut vraiment le faire petit à petit. Le henné est vraiment quelque chose qui ne se dilue pas facilement quand ce n'est pas dans de l'eau. Là, c'est quand même dans un soin. Le soin, on sait qu'il y a un mélange aqueux et huile dedans. Donc, il faut vraiment verser petit à petit pour que ça puisse bien se mélanger, avoir un mélange bien homogène. Donc, bien remuer, hein. Vous remuez bien avec une spatule. Évitez d'utiliser des instruments en métaux. Les poudres ayurvédiques ou le henné perdent en valeur. Je dirais ça, oui, perdent en bienfait, voilà, quand ils sont mélangés avec des métaux. Ça serait à cause d'une histoire d'effet ionique. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans des termes scientifiques, mais voilà, prenez plutôt des éléments en silicone ou en plastique. Donc là, j'ai remis encore un petit peu et j'ai reversé le reste, puisqu'au fait, en soi, la moitié me suffisait. Dès que vous commencez à avoir un mélange assez verdâtre, c'est suffisant. Et on continue de remuer. Donc franchement, le henné gloss est vraiment un soin pour surtout les filles qui ont du mal à supporter le henné, parce que c'est vrai que c'est un soin qui est assez asséchant quand on fait de l'henné pur dans la tête. Donc mélanger dans un masque, c'est nickel. Et là, je vais ajouter l'équivalent environ d'une cuillère à soupe d'huile de coco. Si vous n'avez pas besoin d'autant de masque pour faire votre soin, vous allez mettre peut-être une cuillère à café. Donc là, j'ajoute mon huile. Et je vais continuer de remuer mon mélange parce qu'il faut vraiment qu'il soit homogène pour une meilleure application sur vos cheveux et donc sur votre fibre capillaire. Donc du coup, on va continuer à mélanger. Et ce soin, c'est d'où le mot gloss, parce qu'il va vraiment donner un effet glossy à vos cheveux, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et je ne m'en passe pas de ce soin. Il est vraiment énorme. Je kiffe et c'est un soin qu'on peut faire chaque semaine. Puisqu'en soi, si vous utilisez un masque qui est non protéiné, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Regardez-moi cette texture, quoi. Là, je vais ajouter encore un tout petit peu, parce que moi, j'aime bien quand il est bien vert, mon mélange. Hein. J'aime bien quand il est bien vert, quand il est bien dosé. Mais cette petite cuillère que je mets en plus n'est pas du tout obligatoire. Hein. Elle n'est pas obligatoire, et encore moins si vous utilisez beaucoup moins de masques que moi pour faire votre application. Et vous continuez de remuer, vous continuez de remuer. Je dois d'ailleurs vous préparer un post spécial sur tous les bienfaits que l'henné possède sur les cheveux, pour la peau, pour tout. Et aussi les précautions à avoir. Vraiment les précautions également à avoir sur le henné. Donc là, j'ai fait mon shampoing. Donc mes cheveux sont lavés. Il faut appliquer le produit sur un cheveu humide mais propre. C'est un masque, ne l'oublions pas. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing au chébé solide de la marque Calicos Bio toujours. D'ailleurs, je dois faire un challenge sur le chébé bientôt pour vous aussi et vous parler du chébé, cette nouvelle tendance. Donc là, il y a quelques petits frisottis, mais ça va. Et vous allez voir le résultat après. Donc là, je vais appliquer mon henné section par section
Encore une fois, quand vous mettez un soin, il faut imbiber le cheveu. Et pour bien l'imbiber, vous faites des sections. Oui, messieurs et mesdames, vous faites des sections, s'il vous plaît, pour moi. Vous faites des sections. Et on l'applique de la racine jusqu'aux pointes. De la racine jusqu'aux pointes, même en massant aussi un peu la racine, pour être sûr que vous avez mis du produit depuis la racine. Ce sera de la racine jusqu'aux pointes. Donc là, toute ma tête est faite. Voilà, l'application est faite. Ça prend un peu de temps, mais ça va. Franchement, c'est pas la mort. Donc toute ma tête est faite et on va laisser poser 20-30 minutes. C'est amplement suffisant. Et on se retrouve pour voir le résultat final, les cheveux rincés. Regardez ça. Des boucles plus définies, plus aérées, souples. Moi, j'adore. Mon cheveu est d'une douceur. N'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire vos impressions sur ce soin parce que franchement, je tiens à avoir votre avis. Moi, j'adore le faire. J'adore vraiment le faire. Ça simule la pose de mes cheveux. Ça les adoucit, ça les définit. Ça leur fait un bien de ouf, mes sweeties. Donc, j'espère vraiment avoir votre avis. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Gros bisous!